J'aimerais vous souhaiter la bienvenue au webinaire « Les étapes de la création de projets dirigés par la communauté ». J'aimerais rendre hommage au peuple algonquin car présentement je suis sur leur territoire et j'aimerais aussi demander au créateur que mes mots soient justes et clairs et que je donne l'information qui est nécessaire pour améliorer les conditions dans nos communautés autochtones. Je me présente, je m'appelle Isabelle Aubé, je suis la présidente et fondatrice de Native Way Training Services. Notre entreprise se spécialise dans la conception, l'adaptation ainsi que la diffusion d'informations, soit en personne, par écrit ou à distance, dans le domaine de la santé, l'activité physique ainsi que dans le sport pour les populations autochtones et inuites. Nous avons aussi lancé la première certification d'entraîneur privé conçue et adaptée pour les autochtones. Nous les offrons présentement en 2013 en anglais avec l'intention d'en donner en français à partir de l'année 2014. Pour réaliser ce projet, nous avons fait partenariat avec quelques organisations. La première d'entre elles serait le Leisure Information Network. Leur rôle était de reformuler leur site web northernlinks.org. Ce site web offre plein de ressources aux gens qui travaillent dans les communautés autochtones pour promouvoir l'activité physique. J'aimerais vous inviter à l'explorer. En même temps, je vais spécifier que le site web est présentement plutôt en anglais. Par contre, les présentations de webinaires vont y être en français. D'autres organisations avec lesquelles on a fait partenariat est l'Université Queen's. Initialement, on a donné des ateliers au travers du Canada pour les communautés autochtones qui s'appelaient Jeux sans frontières. Et l'Université Queen's nous ont assistés et ont fait une évaluation pour voir les résultats de la participation aux ateliers en personne. Dans ce projet, ils sont en train d'évaluer les résultats qu'on peut avoir, comment on peut influencer et soutenir à travers des ressources en ligne. Alors, ce webinaire fait partie de cette évaluation et nous voulons vraiment voir si c'est quelque chose qu'on peut développer à long terme pour pouvoir offrir plus de ressources. En dernier, il y a l'ACPL, l'Association canadienne des parcs et loisirs. Ça, c'est une association qui est un organisme national qui se consacre à la pleine réalisation du potentiel qu'ont les parcs et loisirs. Ils veulent aussi contribuer à la santé et au dynamisme des communautés. Ça fait quelques années que je travaille avec eux et je dois dire que c'est une excellente entreprise ou organisation. Alors, je vais juste préciser le format de la séance. Il va y avoir une transmission d'informations par le biais de questions posées lors des sondages, évaluation après la séance d'information, discussion ouverte et partage entre les participants, échange sur l'évaluation des questions du dernier sondage et un aperçu du nouveau site Web de Northern Links et de toutes ses précieuses ressources. Voici quelques lignes directrices en matière d'activité physique, précisément pour les gens qui souffrent de lésions de la moelle épinière. On évalue le nombre de Canadiens touchés par les lésions de la moelle épinière à 86 000 personnes. On prévoit que le nombre de cas de lésions augmentera au cours des prochains 20 ans pour atteindre environ 121 000 personnes en 2030. Dans le but d'améliorer leur forme physique, les personnes en bonne santé souffrant de lésions devraient accomplir au moins 20 minutes d'activité aérobique d'intensité modérée à vigoureuse deux fois par semaine, en plus de renforcement musculaire deux fois par semaine. Parmi les activités aérobiques qui conviennent aux personnes souffrant de lésions de la moelle épinière, on trouve le cyclisme, la marche sur tapis roulant avec support de poids corporel et les exercices aquatiques. Les exercices de renforcement musculaire à l'aide de poids ou de bandes élastiques accroissent la fréquence cardiaque, améliorent la santé et préviennent l'atrophie musculaire. Le travail en commun est l'occasion d'améliorer la santé et le bien-être de nos communautés. La méthode du développement dirigé par les communautés, DDC, remet entièrement au groupe communautaire le contrôle du développement, les ressources et la prise de décision.
Deux principes sous-entendent le projet de DDC. En premier lieu, les communautés elles-mêmes sont les meilleurs évaluateurs des moyens d'améliorer leur situation. En second lieu, à l'aide des ressources et de l'information adéquate, elles peuvent subvenir à leurs besoins à court et à long terme. De plus, les programmes de DDC reposent sur leur confiance envers les personnes, en encourageant la transformation du milieu par les individus eux-mêmes comme moteur efficace de développement. Les études ont démontré que le DDC, en considérant les personnes comme des atouts et des partenaires à part entière dans le processus de développement, répond bien aux exigences locales et est plus inclusif et rentable comparé aux programmes centralisés dirigés par des organisations non gouvernementales. On peut aussi appuyer le DDC par le renforcement et le financement des groupes communautaires, par l'amélioration de leur accès à l'information et par la création d'un milieu plus favorable en réformant les politiques et les institutions. En fournissant aux communautés des occasions de recherche et de création de fonds, les projets de DDC leur permettent de développer les compétences essentielles. Après avoir recueilli les fonds destinés au développement, la communauté doit choisir la meilleure façon de les utiliser en ciblant la prise de décision et la responsabilisation. En résumé, c'est la communauté elle-même qui planifie le projet, le met en œuvre et surveille attentivement son progrès. Par conséquent, en plus de répondre à un besoin précis, elle développe des compétences communautaires applicables à d'autres nécessités de la collectivité, ce qui lui assure durabilité et croissance à long terme. Un modèle d'action communautaire est un modèle dirigé par la communauté composé de 5 étapes. Elle est conçue pour augmenter les capacités d'une communauté à utiliser la mobilisation pour s'attaquer aux inégalités en matière de santé. Ce modèle est fondamentalement une analyse critique qui identifie les facteurs sociaux, économiques et environnementaux à la source des inégalités du point de vue de la santé et des conditions sociales dans une communauté. L'objectif du modèle est de favoriser la transformation du milieu par la mobilisation des membres de la communauté et de ses organismes dirigeants, plutôt que par la modification des modes de vie et comportements individuels. Le but demeure d'éliminer les facteurs qui nourrissent les inégalités économiques, sociales et environnementales dans la communauté. On a aussi pour objectif aider les individus à acquérir les compétences nécessaires à relever eux-mêmes ce défi. Le modèle d'action communautaire fournit aux membres de la collectivité un cadre pour acquérir les compétences et les ressources nécessaires à l'évaluation de la santé de la communauté et à son amélioration. Du point de vue culturel, la santé d'une communauté comprend les 4 caractéristiques de la roue médicinale, le mental, physique, émotionnel et spirituel. Première étape, identification du problème, pour choisir une priorité. Une étape essentielle est l'examen communautaire ou recherche participative. Il sert à déterminer les causes premières d'un problème dans la communauté et à repérer les ressources nécessaires à sa solution. Cet examen nous fait concentrer nos efforts dans le secteur le plus propice à la réalisation de notre objectif, la transformation communautaire. La deuxième étape est l'évaluation de l'organisation communautaire, dans le but de répondre aux questions suivantes. Quelles sont les ressources existantes? Qui seront les principaux acteurs et où sont les lacunes? Cette étape est critique puisqu'on ne peut éliminer les inégalités sans la pleine participation et le leadership des communautés les plus affectées. Troisième étape est l'analyse des résultats et sélection des chefs de projet et des partenaires, survol de l'éventail des solutions possibles. Un plan d'action communautaire est un document de planification propre à une communauté spécifique. En premier lieu, les membres de la communauté choisissent les projets qui répondent le mieux à leurs besoins en développement. Ensuite, ils les classent par ordre de priorité.
Il relève enfin les ressources nécessaires en faisant la distinction entre celles venant de l'externe, les fonds provenant du gouvernement et d'autres sources, et celles que la communauté elle-même peut fournir, la contribution communautaire. Objectifs et échéanciers, gouvernance de projets et processus décisionnels, rôles et responsabilités, budget, gestion des risques, plan de résolution de conflits, plan de durabilité. Ce sont les composantes de votre plan. L'élaboration de politiques est la clé du succès d'un projet. Celle-ci augmente notre efficacité et nous aide à mettre en œuvre la transformation du milieu ainsi que les activités qui la soutiennent. La quatrième étape est la mise en œuvre du plan d'action, évaluation du projet accompli et ajustement et modification nécessaires. À l'étape de la mobilisation, une communauté peut élire un comité de développement communautaire, comprenant de 9 à 11 membres. Le CDC, en plus de recevoir les fonds de provenance interne et externe, est responsable au nom de la communauté de la mise en œuvre sur le terrain, de la supervision quotidienne et de la gestion. La cinquième étape est l'évaluation des résultats du projet. La poursuite du projet et soutien à la durabilité du projet ou élargissement de sa portée. Le développement dirigé par les communautés est une approche ouverte à la diversité des opinions, des intérêts et des perceptions des participants. La communauté prend elle-même la direction du projet en visant les objectifs de développement qu'elle a établis. Ceci aide ses gestionnaires, les membres du CDC, à prendre des décisions bien informées, autant à l'étape de la mise en œuvre du projet qu'à celle de la planification des interventions à venir. Par la suite, le comité de développement communautaire, en surveillant les résultats, assure un degré de responsabilité envers la communauté élargie et ses bailleurs de fonds. Un des principaux défis que rencontre l'approche DDC, en particulier lorsqu'elle est introduite dans une communauté sans expérience préalable de développement participatif, est le transfert des compétences nécessaires, en premier lieu vers les facilitateurs et ensuite de ces derniers vers les membres de la communauté. Comme le CDC impliqué dans la gestion des ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du projet. I'm going to do that one over. Un des principaux défis que rencontre l'approche DDC, en particulier lorsqu'elle est introduite dans une communauté sans expérience préalable de développement participatif, est le transfert des compétences nécessaires, en premier lieu vers les facilitateurs et ensuite de ces derniers vers les membres de la communauté impliqués dans la gestion des ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du projet. Accroître la responsabilisation communautaire. Les projets dirigés par la communauté offrent d'excellentes occasions d'accroître la responsabilisation communautaire. Par la responsabilisation financière, l'établissement de saines méthodes comptables et la cueillette d'indicateurs clés de performance pour en assurer la surveillance. Deuxièmement, par la responsabilisation interne et externe, c'est-à-dire veiller à ce que le projet livre les résultats prévus à court, moyen et long terme au moyen d'indicateurs participatifs établis par la communauté. La participation à un projet dirigé par la communauté occasionne de faire travailler les gens ensemble en visant un objectif commun, peut enrichir la vie de tous ses membres, des aînés jusqu'aux jeunes. En plus de profiter à l'ensemble de la collectivité, un tel projet favorise la croissance personnelle et l'estime de soi par le travail accompli, ce qui augmente la fierté et la confiance dont les peuples autochtones ont besoin après des années d'oppression. Les projets dirigés par la communauté nous font remonter à l'époque avant le contact avec les Européens, où chaque membre de la communauté devait contribuer au bien de sa nation. Plusieurs de nos aînés enseignent qu'en ressuscitant les savoirs ancestraux, nous retrouverons l'équilibre de la roue médicinale. Le travail communautaire se révèle un outil idéal pour réaliser ce rêve. Tous nos vœux de réussite dans vos entreprises. Je vous remercie. Bonne journée.